tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc nous sommes le 16 décembre. Donc alors, je pense que je vais faire là une journée, puisque j'ai entre guillemets le temps, enfin j'espère en tout cas, parce que là en fait c'est une journée un tout petit peu chargée, on s'est réveillé un petit peu trop tard aujourd'hui, et je suis un peu énervée parce que bah, avec tous les petits trucs qu'on a à faire, bah, c'est un petit peu embêtant, donc je suis désolée pour ma tête, mais là je suis à faire peur comme d'habitude. On a rechangé de lit hier, parce que comme vous savez le lit était là. Mais on l'a rechangé, en fait on l'a mis là, donc là vous avez la porte et là on l'a mis là parce que je dormais très mal de ce côté-là, donc je sais pas si c'est à cause du radiateur ou quoi, mais j'avais très mal au dos. Là cette nuit j'ai assez bien dormi, à part monsieur là qui a fait du bazar, mais bon c'est pas très grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui il faut que je range un petit peu plein de trucs, il faut qu'on prépare nos petites affaires pour partir. Hier bah, dans les prospectus j'ai vu la palette The Nude, je crois, de Je mets Maybelline à moins 5%. Donc c'était à la base, elle coûte 14 € et des brouettes. Et là, elle est à 8 € et des brouettes. Donc je suis très intéressée. J'ai vraiment envie d'aller la chercher. Mais vu qu'aujourd'hui, on va se concentrer plus sur ce qu'on a à faire, bah, on va pas sortir aujourd'hui en fait. On va sortir demain. Donc demain, on va chercher tout ce qu'il faut pour les chats, c'est-à-dire litière, croquettes, etc. pour pouvoir partir tranquillement. Et c'est là que j'irai peut-être chercher la palette, si au cas où elle y est, donc j'espère, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est quand même pas mal, je l'aurais jamais acheté à 14 €, hein, faut pas rêver. Enfin, c'est vrai qu'il y a... Enfin, pour moi, il n'y a pas beaucoup de phares pour ce prix, mais après, c'est vrai que c'est Je mets Maybelline, donc automatiquement, c'est un petit peu cher. Bah, aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit, je vais préparer mes affaires pour partir. Et voilà. Donc, je vais arrêter de parler, et là, en fait, on va manger un petit truc. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure dans la journée, je pense. Petite parenthèse, j'ai encore oublié de vous dire. Donc en fait, comme vous savez, dans le vlog que je vous ai dit bah, le 15, bah, hier, je vous ai dit que des moments... Enfin, pour quand on va partir en Picardie, c'est ça que je voulais dire. Si vous n'avez pas le vlog les jours à suivre, c'est normal. C'est parce que je ne sais pas encore si je vais prendre mon ordi. Parce que comme vous savez, la tour de mon copain qui avait bah, chez nous est ici. Et mon copain ne va pas prendre la tour pour juste 4 jours, donc ça sert à rien. Donc moi je peux prendre mon ordinateur, mais le truc c'est que vu qu'on a un sac seulement pour deux, parce qu'il faut absolument pas trop recharger la voiture, et ben il faut faire doucement, donc ça va être un petit peu embêtant je pense, et je ne sais pas encore comment je vais faire. Et puis vu que ma caméra se décharge super vite, bon ça c'est pas grave, je vais prendre le chargeur, comme ça je pourrai vous faire toutes les vidéos qu'il faut, mais au moins vous aurez les vidéos, bon un petit peu en retard quand même, mais vous les aurez, parce que vu qu'on rentre le 24, moi je filmerai tout de suite après le 24, le 25, etc. Donc au pire, ben, dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je fasse les vlogs quand même, entre guillemets, les jours qu'il faut, c'est-à-dire vraiment que ça tombe, ben, par exemple le 16, ben, là je vais mettre le vlog ce soir par exemple, ou si ça vous dérange pas d'avoir ben, le gros vlog en surprise à la fin, quand je reviendrai, parce que ben, bien évidemment je vais pas... Je pense faire de montage le 24 quand on va revenir, parce que le 24 on aura sûrement des courses à faire pour, bah, pour manger, etc. Le 25, bah, vous avez compris. Donc les seuls jours où je serai disponible, ça serait bah, le samedi après-midi. Parce que le samedi, je vais chez la personne chez qui je vais d'habitude pour faire les heures que je devais faire le jeudi. Mais là, je le ferai le samedi. Et bah, ça sera après le samedi après-midi que je pourrai. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment le vlog, parce que ça vous ferait quand même... des vidéos, être sans vidéo pendant une semaine, et ça c'est pas ce que je veux. Et bon, c'est vrai que j'ai encore des vidéos à planifier encore, mais je vais voir qu'est-ce que je vais voir ce que je peux faire, mais je pense que je vais prendre l'ordi. Je demanderai si ça dérange pas, puis vu que j'ai le chargeur et tout ça, je pense que j'essaierai de faire au mieux. Mais au plus tard, si au cas où je peux prendre l'ordi, etc., vous aurez pas de vidéo avant moins le dimanche soir. Donc au moins vous serez fixé, voire lundi, parce que mon meilleur ami, je le vois lundi 21. Donc voilà, au moins vous serez fixés, mais vous pourrez comprendre que là, c'est les périodes entre guillemets de fête. On va faire une sorte de petit dîner, une sorte de petit réveillon en avance avec une partie de notre famille. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez un petit peu. Vidéo, j'adore ça, mais il faut quand même qu'on prenne un petit peu soin de nous aussi. Et puis vu que notre famille, ça fait longtemps, ben voilà. Je pense que je filmerai, mais vous le verrez quand vous le verrez. Donc c'est pour ça que je vais faire au maximum pour prendre la caméra. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et vous prévenir, comme ça vous ne serez pas sans vidéo. Donc voilà, j'ai arrêté de parler, puis je vous dis à tout à l'heure. Il est plus de... Je sais pas quelle heure. Je ne sais pas du tout. Et il est 15 h 20, voilà pour être précise. Et là en fait, ma mère est arrivée et on va aller faire un tour à Leclerc pour commencer,
pour le repas du 24 et du 25, parce que bah, vu qu'on part là, on part vendredi, donc on n'aura pas vraiment le temps de faire les petites courses après, vu qu'on revient le 24 dans l'après-midi, je pense. Donc on va commencer les courses là maintenant. Et ma mère, bah, je suis trop contente, enfin je suis trop contente, je le savais, mais elle a pris la même table que nous. Donc là, c'est la nôtre. Et celle de ma mère, elle est où? Elle est là-bas, dans le couloir. Ici. Donc en fait, ben, je m'en doutais qu'elle allait la prendre. Je voulais lui faire un autre cadeau de Noël, mais je me suis dit, ben, je veux son avis avant, parce que vu qu'elle voulait une table, et c'est la table qu'elle a prise justement là, elle va la mettre dans sa cuisine. Donc ben, finalement, c'est pas plus mal. Donc je suis un petit peu déçue, parce que j'aurais voulu lui faire cadeau, mais bon, c'est pas très grave. Et là, ben, on va partir à Leclerc. Et moi, ce soir, je vais à Auchan, parce que ben, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai vu la palette The Nude, je sais pas quoi, de Je vais Maybelline, et je vais aller me la prendre. Parce que j'ai trop envie. Donc voilà, je vais vous laisser et puis on se dit à tout à l'heure dans Leclerc. Nous sommes rentrés, ça fait ben, juste à l'instant. Et ben, j'ai pas filmé parce qu'on était très déçus. Parce que ma mère cherchait un petit truc. Merci Bidou. Cherchait un petit truc de précis et puis ben, elle a pas trouvé. Puis j'ai cherché dans tout le magasin donc j'ai pas du tout le temps. Il y avait beaucoup de monde donc vous me connaissez, je ne filme pas quand il y a du monde. Et j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, ça fait un petit moment que j'ai envie d'en prendre mais à chaque fois je prenais pas. J'ai pris ceci, des madeleines bonne maman. Donc oui, ça fait longtemps que ça existe. Et je ne suis pas déçue, elles sont super bonnes. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a la recette derrière. Donc, je vais garder ça, puis je testerai ça plus tard. Donc voilà, mon copain aime beaucoup. Tout comme ça. Donc voilà, je ne sais pas à quelle heure on va Un là petit au café. champ. On ne sait pas à quelle heure on va là au champ pour aller chercher ce que je vous ai dit. Parce qu'on va aller chercher un petit peu de la litière pour qu'on va partir. Ma palette, je vais la prendre. Et je ne sais pas qu'on va y aller parce qu'à cette heure-ci, les gens... Ils sortent du travail, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc je ne sais pas. Je vais voir et puis ben, on se dit à tout à l'heure de toute façon pour la suite. Voici ici, ma mère est sur le canapé là-bas et on est en train de monter ben, sa table pour la mettre dans la cuisine. Donc là, mon copain monte un des bancs et là, comme vous pouvez voir là-bas, il y a un des bancs qui est déjà monté. Donc alors, ils ne sont pas super grands ni super larges, mais bon, pour la cuisine, ça sera parfait. Donc voilà, nous sommes très pressés de savoir qu'est-ce que ça va faire comme résultat. Et nous, on la montera quand on ira chez nous. Donc j'espère qu'on aura le temps de la monter. Je sais pas, tu voudras la monter ou pas qu'on sera là-bas. Donc on verra bien quand on aura le temps. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je suis rentrée, enfin nous sommes rentrés. Donc alors je suis un petit peu énervée, déçue, tout ce que vous voulez, parce que la palette que je voulais, elle n'y était plus. En fait, bah, je pense que tout le monde a dévalisé les palettes parce que bah, ce prix, c'est un petit peu normal. Et là en fait, bah, j'ai pris autre chose à la place. Oula, à la place, parce que je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre un autre truc. Donc j'étais très contente parce que bah, j'ai trouvé un petit peu des petits trucs. Donc ça fait 3 fois que je dis ça. Excusez-moi. Mais avant de vous faire montrer les choses, c'est que j'ai été à l'accueil parce que mon copain m'a dit bah va à l'accueil pour voir s'ils en ont en réserve. Et j'y étais et la personne m'a dit qu'il fallait que j'appelle demain matin pour voir s'ils en avaient et éventuellement m'en mettre une de côté. Donc j'étais un petit peu contente de ça. Donc bah finalement je vais téléphoner demain, je vais me demander qu'ils en mettent de côté comme ça pendant que je vais faire les heures que je fais d'habitude le jeudi. Mon copain ira me la chercher. Et j'espère que ça ira. Donc bah, finalement, j'ai pris, parce qu'à la base, en fait, encore une petite parenthèse, je ne voulais pas dépenser trop, parce que vu qu'on va partir en Picardie, comme je vous l'ai dit, je voulais profiter un petit peu des sous que j'avais et me faire plaisir là-bas, parce que vu qu'on va à Action, etc., normalement, je voulais pas, mais j'ai pris autre chose. Donc j'ai pris 3 vernis de chez Essence, de la collection de Noël. Donc alors, j'ai beaucoup aimé les packagings, parce qu'ils sont trop, trop beaux et... Et voilà, donc je vais vous faire montrer le premier. Donc le premier est comme ceci. Donc c'est un pailleté. Et c'est pas comme les paillettes que j'ai déjà vues. C'est comme si que c'était, ils avaient coupé des petits bouts de feuilles d'or, mais super fins, super minuscules. Et j'en ai mis un petit peu sur mon doigt. Donc faites pas attention à mes doigts super moches. Mais j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est le numéro 43. Après... Je ne sais pas si... Bah, il n'a pas de nom, mais il est franchement trop beau. Et c'est marqué Mary Berry en violet ici, mais vous ne verrez pas. Et
J'ai pris aussi celui-là. Donc, c'est une couleur prune, mais très très foncée. Et franchement, j'adore. Donc, il n'a pas de nom celui-là. Enfin, je sais pas. Mais c'est le numéro 37. Vous verrez pas clair. Il est trop beau. Je l'ai swatché un petit peu sur mes ongles. Donc, c'est plus foncé. Franchement, j'adore. Et j'ai pris en dernier celui-ci. Donc, celui-ci, c'est celui qui est au milieu là. Et c'est le numéro 21. Il est trop beau, c'est vraiment des couleurs de Noël. Et je crois pas que j'en ai des comme ça, sinon je les aurais pas pris. Et franchement, le packaging, mais regardez-moi ça, c'est tout mignon avec le petit rond. Et le pinceau est tout simple. Il est bah, comme ça en fait, carré, enfin comme d'habitude. Et franchement, j'adore. Donc, par contre, le prix, c'était pas donné, c'était 2,49 le vernis. Et excusez-moi, je replace ça, ça m'énerve. Et en fait, je croyais qu'à la borne, parce qu'en fait, au début, je ne savais pas les prix. J'étais à une borne pour voir le prix et c'était marqué 2,49 offre. Et il y avait une offre, je sais pas quoi. Alors je me suis dit qu'ils allaient peut-être faire une offre et me les faire un petit peu moins cher. Et en fait, non, j'ai payé 7 euros et des brouettes pour 3 vernis. Donc je vous prie de croire que j'étais un petit peu déçue. Mais bon, sachant que des vernis, ça s'utilise enfin, assez longtemps. Après, il faut quand même. Enfin, vous savez comment c'est des vernis. Et après, ben, comme je vous avais dit, je voulais à la base acheter la palette, mais je ne l'ai pas eu. Mais je pense que je vais aller la chercher demain. Donc voilà, j'ai arrêté de parler. Et puis, ben, je pense que je vais peut-être arrêter, pardon, la journée du Vlogmas ici parce que demain, c'est une journée très chargée. On doit préparer toutes nos affaires pour partir vendredi. Et je ne sais pas si je vais filmer demain dans la journée. Je pense que oui, quand même. Mais il faut que je fasse tous les montages ce soir, donc c'est pour ça que je vais me dépêcher. Donc là, je reprends la caméra, voilà. Donc voilà, je vais arrêter de parler, désolée. Et il faut que je repasse la chemise de mon copain, oula, ici, parce que ça va pas le faire sinon. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis je vous fais de très très gros bisous, et à demain pour la suite du Vlogmas!